Welcome back! I'm back! Et aujourd'hui, c'est 100% dossier pour partir aux États-Unis. Allez, c'est parti! Alors, c'est là qu'arrive l'étape la plus intéressante et excitante. Car oui, c'est l'heure de créer son dossier d'inscription. Un gros dossier que vous allez devoir remplir et vous allez devoir parler de vous, faire plein de choses. Alors, le dossier, c'est très important. Je vais vous montrer plusieurs feuilles qu'il va falloir remplir. Et comme ça, vous allez pouvoir le faire à votre tour. Vous, c'est sur Internet, alors que moi, c'était sur papier. Je vais donc vous montrer les feuilles une par une. Il y a une feuille qui s'appelle le School Record Transcript. Cette feuille, c'est très simple. Vous allez prendre toutes vos notes des deux années précédentes. Si, imaginons, là, vous êtes par exemple en première. Donc, vous allez mettre troisième, seconde et première. Vu qu'on est dans l'année de la première, vous notez petit à petit, suivant quel trimestre on est pendant l'année. Il ne faut pas avoir beaucoup de C. Pour pouvoir partir, il ne faut déjà aucun D. Parce que sinon, ça ne passe pas. J'en ai que 3. Donc, 3, ça va, ça passe. Et je crois qu'il n'en faut pas beaucoup plus, c'est peut-être 5 maximum, mais il n'en faut pas trop parce que c'est vrai que les Américains, ils regardent vraiment beaucoup les notes. Pour savoir quel est l'équivalent de quoi, vous allez avoir une feuille à côté. Et donc ça, c'est pour la première feuille, qui est très simple. Bien sûr, toutes ces feuilles, vous allez devoir les faire signer par votre lycée pour prouver qu'elles sont vraies, parce qu'ils vont devoir vérifier, parce qu'il ne faut pas mentir sur vos notes. On va vous poser des questions si, par exemple, vous avez beaucoup loupé les cours, et si vous avez redoublé une année à l'école. Après, peut-être que vous, les questions vont un peu changer, mais moi, je vous explique comment ça se passe pour moi. Ensuite, on doit se décrire. Normalement, c'est un prof à nous qui doit nous décrire, mais moi, je crois que j'avais écrit et j'avais fait signer pour qu'il vérifie si j'avais bien écrit. Donc, j'avais mis que j'étais bien intégrée dans mes classes, que je faisais très attention et que je respectais l'autorité. Communication skills, comment on traduit ça? You know it, I don't know it. J'étais très forte en communication. Bon, non, je rigole quand même. Et ensuite, on doit faire signer encore une fois ce papier par notre école et le faire tamponner. Et ça, c'est bon. Ensuite, vous devez faire une copie de tous vos vaccins. Ensuite, vous devez faire aussi la photocopie de votre passeport. Je vous montre pas le mien. Hein. Vous devez remplir un document sur votre santé. Le document sur votre santé, bon, bien sûr, tout est en anglais. Donc, tout ce que vous ne connaissez pas, il y aura à côté une feuille avec toutes les traductions. Ne vous inquiétez pas. Mais en tout cas, on va vous demander si vous avez des allergies. Moi, j'avais mis oui. Si vous avez de l'asthme, moi, j'avais mis oui. Si après, vous avez un cancer, si vous avez du diabète, si vous avez des épilepsies. Vraiment, ils demandent tout. Si vous voyez bien, si vous entendez bien, si vous avez des problèmes. Vous devez tout remplir. Vous devez remplir votre taille. Oh, je faisais déjà 1m72 à l'époque. J'ai juste pris 1 cm en 7 ans. Je fais un son de 13 maintenant. voilà, ensuite vous devez mettre plein de diagnostics, mais ça c'est le docteur qui va le faire. Donc normalement, vous devez aller chez le docteur pour remplir ce papier. Donc bien sûr, si votre docteur ne parle pas anglais, c'est à vous de traduire et d'emmener une feuille toute traduite à côté. Ensuite, vous expliquez vos problèmes, vous mettez oui. Suivant ce que vous avez, moi j'avais mis oui par rapport à mes allergies, donc j'avais expliqué que j'étais allergique aux chiens, chats, etc. et que j'avais de l'asthme. C'est au docteur, à notre docteur, de signer et de mettre le tampon, comme quoi c'est lui qui a rempli, c'est pas à nous de remplir tout seul, ça c'est au docteur de remplir. Ce papier à remplir, il est à remplir par tous vos professeurs de cette année. Et donc les profs vont vous noter, bon il y en a quelques-uns qui m'ont quand même mis que j'avais un niveau moyen. Merci les professeurs, professeur d'allemand, normal, j'étais nulle en allemand. Professeur d'histoire, ouais je suis nulle en histoire, ça va. En anglais, il m'avait mis moyen. C'est pour vous prouver à quel point j'étais nulle avant de partir en anglais. Bah les profs, ils m'aimaient pas. Hein. Moyen en anglais, bon en vrai j'avoue mon niveau d'anglais était éclaté au sol. Et en sciences aussi j'étais nulle. Bah voilà. Mais en tout cas, je pense qu'il ne faut aucune croix dans la dernière où c'est vraiment nul parce que sinon vous ne passez pas. C'est un document pour dire que je vais peut-être conduire aux États-Unis. Bon, je n'ai jamais conduit parce que je n'ai pas passé mon permis, mais certains peuvent passer leur permis aux États-Unis. Moi, je n'ai pas pu parce que j'avais moins de 18 ans.
Et quand j'ai eu 18 ans, bah, c'était le moment de partir. Donc, un de vos profs doit faire une recommandation. Donc, ils doivent parler de vous, dire ce qu'ils pensent de vous et remplir un document. Moi, j'avais passé à ma prof d'anglais, même si elle m'avait mis que j'étais average en anglais. C'est parce que c'est normal, hein, on ne peut pas être parfait en anglais avant de partir. Le mieux pour une recommandation, c'est de le faire par son prof d'anglais, vu qu'il parle anglais, pas besoin de le faire traduire. Bon, ça, j'avais juste gardé une carte des États-Unis parce que je savais pas où est-ce que je voulais tomber, donc je gardais cette petite carte. Et voilà pour les feuilles à remplir. Bien sûr, il y a d'autres papiers à remplir que je n'ai pas avec moi. Ce sont des papiers sur nous. On va devoir aussi répondre à des questions comme nos hobbies, nos activités, quel sport on fait, qu'est-ce qu'on aime faire, qu'est-ce qu'on fait par exemple le week-end. On va devoir décrire tout ça. Mais c'est simple, vous n'avez pas besoin de mon aide là-dessus, vous avez juste à décrire de A à Z toute votre vie, toutes vos journées, tout ce que vous aimez, tout ce que vous aimez manger, toutes vos passions. Vraiment, décrivez toute votre personnalité de A à Z dans le dossier. N'oubliez rien. Si, imaginons, vous oubliez de mettre que vous adorez, je sais pas, faire du quad, bah peut-être que vous ne tomberez pas dans une famille qui fait du quad. Alors que si vous le mettez, peut-être que la famille en question fera du quad comme vous. J'ai dit quad comme ça, mais ça peut être si vous adorez les animaux. Plus vous vous décrivez, plus vous aurez une famille parfaite pour vous. Plus vous oubliez des catégories, et moins il y aura un match à 100%. Vous voyez ce que je veux dire? Donc maintenant, c'est à ton tour de faire ce dossier. Je te souhaite bonne chance et n'hésite pas si tu as des questions. Voici comment se passe la fin de la phase 2. Une fois que vous avez fini tous vos dossiers, c'est l'heure de l'envoyer. Vérifiez bien, ne pas avoir fait de faute, ne pas avoir coché des mauvaises cases ou ne pas avoir oublié de mettre quelque chose à l'intérieur, car une fois qu'il est envoyé, il est envoyé. Vous avez 2 à 4 semaines pour faire ce dossier. Une fois qu'il est fait, vous pouvez l'envoyer et ensuite vous avez 2 à 6 semaines pour avoir une réponse. Je te fais plein de gros bisous et à très vite pour une prochaine vidéo.